Et salut tout le monde, c'est Wariox. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Far Cry 4 et c'est la dernière vidéo dessus parce que il y a une fin, une. Attendez, si je compte cette fin-ci, plus cette fin-là, plus celle-là, je crois qu'il y a une quatrième fin. Bon, je pense que la plupart connaissent, mais bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous la montrer. Oui, bah là, on va recommencer le jeu et en, on va dire, 15 minutes, on l'a fini. Alors pour ceux qui connaissent pas. Ah mais attends, il m'a encore sauvegardé ce que j'ai fait, c'est très bien. Nouvelle partie. Bon ça sert à rien, je peux être difficile. Hein. On sort en ligne, allez hop, on s'en fout, voilà. Allez. Voilà, donc juste avant la sortie de Far Cry 5, c'est ça qui est cool. Donc je vous annonce que évidemment il y aura un let's play Far Cry 5. Infamous Second Son pour l'instant est mis en attente. Il est mis en attente, je l'ai fini, mais il est mis en attente juste pour une vidéo que je ne peux pas sortir pour le moment. C'est pas très grave, peut-être elle sortira pas, mais c'est pas grave parce que c'est des missions secondaires. Mais bon, j'aurais bien aimé vous le partager. Bon, tant pis. Edge, mon fils. J'ai un dernier souhait. When you be back on Lakshmana. Take me back. Ah, tout Lakshmana, voilà. Ramène-moi à Lakshmana. Oh putain, ça fait plaisir. Monsieur Gale, c'est Chet Peterson de l'ambassade américaine à Patna. J'appelle suite à votre demande de visa touristique pour l'Inde avec une extension pour le Kirat. Nous pouvons uniquement accepter votre statut de citoyen américain sans document officiel prouvant votre nationalité Kirati. Par ailleurs, je dois vous déconseiller d'envisager un séjour au Kirat. Nous n'avons aucune présence diplomatique au Kirat. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être très long. Activités terroristes du Sentier d'Or. Oh, ça fait plaisir de revoir ce Far Cry. Oh putain, c'est tellement vieux. J'avais très peu d'abonnés à l'époque, j'avais même pas les 50 abonnés, je crois. Hé, passeport. Je me rappelle plus de lui. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu Far Cry, il y a du spoil, hein, évidemment. Respire. De let's play. Laisse-moi parler, ok. J'ai hâte de jouer à Far Cry 5. Hein. Au début, ce sera des lives, je pense. Et plus tard, peut-être des vidéos, je ne sais pas. Ah, c'est pas bon de fumer là-bas, j'ai vu. C'est pas bon de fumer. En plus, vous êtes dans un pays pauvre, gaspillez pas votre argent pour ça. Oh putain, quand j'ai joué la première fois dessus. C'est pas quand j'avais fait les vidéos, j'avais déjà joué, mais. C'était génial, purée. J'avais des frissons. Mais Far Cry 3, c'est quand j'étais tout jeune. Ouais, je sais, c'était violent quand j'étais jeune, mais bon. Ah, l'hélicoptère qui arrivait et tout. Ah. Far Cry 3, ça reste le meilleur, mais je me demande si Far Cry 5 va pas le dépasser. Je me demande. Ah putain, je me rappelle. Le mec quand même il est con parce qu'il prend son temps pour viser. Eh, le singe a été buté au fait, j'ai jamais remarqué. Ils auraient dû me buter dès le début. Vu la merde qui s'est passée après. Ah la musique et tout, je m'en fais plus. Le big boss. Il fait le même truc que Fortnite, ça y est. Ah, je me rappelle la phrase qu'il va dire, c'est trop stylé. C'est un méchant. Je le voyais pourtant avoir bien dit. Arrêtez le bus. Oui, arrêtez le bus. Pas lui tirer dessus. Arrêtez, tirer. Je choisis toujours arrêtez, très bien. Arrêtez, tiens, j'aurais ça. Arrêtez, tirer. Arrêtez, tirer. Le mec est blessé, on a rien à faire. Dis-moi, est-ce que tu entends la même chose? Mais ça a dégénéré. Pardon, j'ai mal entendu. Tu disais? Ça a dégénéré. Stylo, là, dégénéré. Ouais.
Je déteste quand les choses dégénèrent. Oh putain. Vous aviez un truc à faire, mais même ça, c'est trop demandé. Ah, pour ceux qui n'ont pas aimé Far Cry 4, je comprends pas. Il était un peu trop sur la religion, je trouve. Comme, comme tous les Far Cry. Sur mes pompes, merde. Il s'en fout du corps mort, quoi. C'est le sang sur ses pompes. Voyons le bon côté des choses. T'as pas complètement merdé. Debout, toi. Je reconnaîtrai ses yeux n'importe où. Je suis vraiment navré, ça aurait dû se passer. Ma foi, pas comme ça. On t'a préparé une petite fête. Rien que pour toi. Je ne crois pas connaître ton nom. Qui est-ce? C'est ton invité? Je suis à l'époque à Castillo, tu pouvais déverser autant de sang. Le genre silencieux, ça me plaît bien. Je suis vraiment affreusement désolé pour tout ça. C'était une opération toute simple. Mais donne à bouffer aux singes. Et ils se jetteront leur merde à la gueule. Oh, tu veux bien me tenir ça? Une petite seconde, je voudrais... Putain, j'aurais jamais tenu... Enfin, faire si, une petite... Mais c'est qui? Photo, on regarde bien l'objectif, et voilà. Eh oui, c'est moi. Génial. T'inquiète de rien, mon bonhomme. Ce sera bientôt oublié. Et nous allons vivre une très grande aventure. Non, pas vraiment. Dégagez mon agenda pour toi. Ça va pas être très grand, en tout cas. Moi. On va tout déchirer. Ouais, c'est fini. Non, je déconne. Ouais, c'est fini. Maintenant... Enfin, c'est fini le début. Maintenant, on va passer... à la fin. Enfin, bientôt. Et toutes mes félicitations à Ashley quand tu seras chez toi. Honnêtement, Paul, je dois bien dire que ton petit coin de Kirat est vraiment superbe. Je m'attendais à plus de... Putain, le singe sur la table, en plus, je m'en rappelle. De râle. Après les billets et tout, et je vous spoil, mais vous le savez déjà, hein, si vous êtes là. Cool comme le sang. Ce sourire narquois te trahit encore de pleurs. Bégaye un peu quand il parle. Retire-lui ce putain de sac de la tête. Oh. Vraiment, je suis navré pour ce qui s'est passé. Voyez les draps derrière. Je parle en même temps que lui, mais en même temps, on connaît déjà ce qu'il dit. Hein. Bien, alors, les draps derrière, c'est une exclusivité, pardon, PS4, Paul, parce que, exemple PS3, il n'y a pas des trucs comme ça. Enfin, t'as des détails en plus dans les voitures, pareil. Moi, je pense que vous le savez peut-être aussi, mais c'est une info quand vous ne savez pas. Tu ne te souviens pas de moi, alors? Je sais pas si je peux le passer, ta mais mère, je le ferai pas. Elle ne te parlait jamais de moi, même en passant. Non, on changera ça. Paul, j'ai besoin de cash. Non, on peut pas passer, de toute façon, j'aurais pas fait. Tout ce que t'as. Tu peux pas passer du premier coup, je crois. Tout ce que t'as, allez, donne. Très bien. Et comme ça, en souriant. C'est vous? C'est moi. Je commence parfois à en douter. Quant à ta mère est de son côté. Elle me comprenait. Elle me connaissait mieux que personne ne le fera jamais. Ne faites jamais ça avec des sortes, ne mettez jamais votre doigt à l'intérieur et mangez, parce que vous êtes en train de manger un corps, vous êtes cannibale. Je n'ai pas revu et... les soirées depuis... C'est dégueu, quoi. Plus de 10 ans. Puis le respect aussi. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Les femmes savent faire ça, elles peuvent te dire qu'elles t'aiment sur le moment, et c'est sincère, mais les hommes ne font pas ça, non? Non, les hommes ne peuvent t'aimer qu'avec du recul, une fois qu'il est trop tard. Non, c'est fou. Donc... Quand ta mère a décidé de fuir aux États-Unis, téléphone un peu mal fait aussi. Avec elle. Ah, parce que les Far Cry 4, les textures, les textures. Excusez-moi, je suis fatigué. Les textures sont pas excellentes non plus. Enfin, le jeu date de 2014, ça va faire peut-être 4 ans bientôt. Ah putain, la fourchette, je m'en rappelle. Il dégueulasse tout, même à table. On ne t'a jamais dit de ne pas téléphoner pendant le dîner? Voyons ça. Donne le téléphone. Alors, les gars, les graphismes sont beaux, mais les textures. On voit toujours qu'il y a un petit aspect vieillot en fait, ancien moteur. La suite est mieux. Que Far Cry 5, on verra s'il n'y a plus l'aspect là. Dans Far Cry Primal, j'ai pas vu d'anciennes textures. Je veux dire des textures qui ressemblent trop. Il faut le crier. Allez, tiens, on va essayer ensemble. Oui, faut crier à l'aide. Si tu dois faire quelque chose, fais-le bien, c'est parti. Allez, crie à l'aide.
crie à l'aide. À l'aide! Oh, c'est mine. Non, crie à l'aide. À l'aide! Je veux de l'intention. À l'aide! À l'aide! Viens du diaphragme! À l'aide! Chut, 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 chut. Attends, écoute. Rien. Attends, c'est une région bien protégée. Je crois que tes amis viendront pas t'aider, mon pauvre. Oh putain. Fais-lui dire ce qu'il sait. Les terroristes, hein? Bon. Allez, ne bouge les pas. Raviolis au crabe. Non, tes raviolis au crabe. Ah, reste là. Ça, je reviens longtemps. Tout de suite. You voilà. Il faut qu'on parle. Donc c'est là, la seconde fin, ça va être maintenant. Alors bien sûr, les cendres, hein, merci d'avoir goûté un petit peu. Je pense que t'as recraché un peu après, parce qu'il faut tout ramener les cendres. Ok, complexe de Doppler. Et ben, ce qu'on va faire, les amis, je vais vous le dire. Pour ceux qui le savent déjà, peut-être qu'ils vont savoir ce que je vais faire. Si vous ne savez pas, c'est que je ne vais pas bouger pendant 15 minutes. Alors évidemment, je ne vais pas vous mettre les 15 minutes comme ça, je vais vous faire un coupage, hein. Je vous mettrai dès qu'il revient. Il ne faut pas bouger, j'ai peur de bouger la caméra et que ça foire, donc en fait, il ne faut pas bouger du tout. C'est dommage parce que j'ai envie de voir ce qu'il y a en bas. Putain, mais qu'est-ce que... Non, non, je vais attendre, regardez, on a une sublime vue. En attendant, on peut peut-être parler, genre, regardez ces draps, magnifiques. Non mais le mec, les raviolis au crabe, c'est connu quoi. J'en ai jamais goûté. Et si vous avez déjà goûté, dites-moi si c'est bon. Parce que ça m'a inspiré quoi. Non, sinon je vais vous parler de Far Cry 5. Donc comme j'ai dit, il y aura des lives au début certainement. Après des vidéos si je peux. Sinon on continuera les lives. Peut-être il y aura... Putain, il crée encore. Des vidéos, peut-être des lives, vidéos, des trucs comme ça. Mais franchement, il a l'air cool hein. Maintenant, je vais parler d'un autre truc sur PS4. J'ai désactivé les notifs parce que j'en ai marre. Une fois, je vais vous dire un truc. Il y a un mec. Ça fait un petit moment maintenant, à la base, quand je jouais pas encore à Fortnite. C'est quoi ce bruit là? Il me dirait qu'il fait chut, chut. Bref, le mec, il m'avait invité 70 fois. Et encore. Je l'ai bloqué ensuite. Après, je l'ai remis, mais je l'ai bloqué. Le mec, il aurait pu m'inviter 200 fois peut-être. Donc à mon écran, ça faisait tulu, 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 tulu. Ça, on aurait dû une alarme, le truc. Le mec, il m'a invité 70 fois sur Fortnite. Mais d'ailleurs, c'était même pas moi qui jouais. Alors pour te dire. Quand on joue à Ghost Recon et qu'on invite sur Fortnite, je suis désolé, mais c'est quoi ton problème? Tu m'invites sur un autre jeu. Encore, tu m'envoies un message poliment, peut-être. Bonjour, bonsoir. Est-ce que tu veux jouer à Fortnite avec moi? Là, je comprends peut-être. Mais à inviter, à spammer, non mais là faut arrêter. Puis déjà, même ça, je dirais que ça sert à rien de m'inviter sur des jeux parce que je vais pas rejoindre. J'ai tellement d'amis, je rejoins quasiment jamais. C'est moi plutôt qui vous invite à des moments. Après, d'autres me disent, ouais, c'est quand qu'on joue ensemble, c'est quand... c'est quand qu'on pourra jouer ensemble sur Watch Dogs 2, des trucs comme ça, mais... Franchement, j'aimerais bien jouer avec vous. Je joue avec certaines personnes. Mais je peux pas jouer avec tout le monde, malheureusement. J'ai peut-être plus de 300 amis sur la PS4. Il y en a peut-être 50-60 que j'ai joué avec eux. Vous voyez le nombre de personnes qui restent à jouer. Je peux pas retenir tout le monde. Après, si d'autres abandonnent, finalement me suppriment de ses amis, c'est comme ils veulent. Hein. Mais peut-être qu'un jour, ils auront eu la chance de jouer avec moi. Une fois, il y a quelqu'un qui m'avait rejoint, il a eu la chance de jouer un petit peu avec moi. Malheureusement, j'avais pas eu mon micro parce que je jouais depuis mon PC. Mais il a eu la chance de parler avec moi et tout. Voilà. Donc sur Far Cry 5, j'essaierai d'inviter le max de gens. Je sais pas combien c'est la limite. Je sais qu'on peut jouer en coop à 2. J'aurais trop aimé la coop à 4 au moins. Je sais pas s'ils l'ont adapté. On n'a pas eu encore de trailer coop. Alors que je vous parle le 6 mars. J'ai pas encore eu de trailer de coop et c'est assez inquiétant. Enfin, je sais pas s'ils l'ont mis. Hein. Peut-être ça tombe, je dis ça, ils l'ont peut-être mis aujourd'hui. J'ai vu qu'ils ont mis un trailer concernant le Season Pass, c'est tout. 89 euros, mes deux là, j'ai pas 89 euros à dépenser. J'aurais mis les 89 euros. Parce qu'il y a eu le Far Cry 3. Ah oui, Far Cry 3, je vais peut-être faire le let's play sur la chaîne. Oui, parce qu'ils le sortent sur PS4. Yes. Ça fait 5 ans après quasiment. Enfin, après la PS4 elle est sortie en 2014, si je dis pas de conneries. Donc 4 ans et quelques après que. Non, 3 ans et quelques. Ouais, 3 ans et quelques qu'on l'attendait. À quoi qu'il est sorti en septembre 2012? Ah non, il est sorti en 2012 Far Cry là. Donc ça aurait fait 6 ans qu'on l'attend.
enfin 5 ans et quelques, étant donné, je crois qu'il est sorti en septembre. Putain, c'est des maths, ce que je suis en train de dire. Bon, vous m'avez compris, la PS4 sortie en 2014, ça aurait fait 3 ans et quelques à peu près qu'on l'attendait. Mais donc j'aurais bien mis les 89 €, mais sauf que c'est un accès anticipé, ce qui veut dire qu'à un moment tu l'as plus. C'est comme Fortnite, un accès anticipé, je sais pas si tu l'auras encore un moment, j'ai un doute. D'une minute à l'autre, quoi, ça va être fini le jeu. Ça va pas se finir comme ça, il y aura une cinématique. Les autres sont en train de torturer l'autre là. Mais on s'en fout, reste là, on va finir le jeu, tu vois. J'ai réinstallé le jeu rien que pour ça. Donc je voulais dire oui, un accès anticipé de 4 semaines sur le jeu. Donc ça veut dire que vous pouvez laisser en premium, si je peux dire ça comme ça. Donc le jeu, il est pas totalement fini. Et après, je crois qu'ils le sortiront vraiment le jeu. Je parle avec des gestes, comme si vous êtes devant moi, c'est pas grave. Ils sortiront le jeu et là, vous pourrez l'acheter. Mais ça veut dire que vous ne l'aurez pas. Je sais pas, hein. Peut-être que je dis des conneries, mais j'ai lu ça. Attention, parce que sur PS4, j'allais l'acheter comme ça. Mais moi, je vous conseille, c'est d'aller faire un tour sur votre PC. Ah, de crier, s'il te plaît. Je suis en train de parler. C'est d'aller sur votre PC, de regarder des informations supplémentaires. Parce que c'est un peu de l'arnaque, hein. Franchement, ne mettez pas 89 € dessus. Après, vous avez des récompenses en plus, hein, des vêtements, des skins, des trucs comme ça. C'est génial. Mais ça, j'achèterai à part, hein, si je peux, parce que 89 €, mec, déjà, je vais payer 60 € pour le jeu. J'ai pas envie de mettre 29-30 € en plus dessus, hein. Je sais que j'ai un bon de 50 € de Micromania, là, mais... Quand même, faut pas déconner, hein. Je sais pas que ça va m'acheter dans la vie, hein. À YouTube Money, ça se fait pas comme ça. Non, je suis pas l'argent pour YouTube, mais je veux dire que si j'ai de l'argent avec YouTube, ça me permet d'acheter des nouveaux jeux ou de l'équipement YouTube. C'est pas, ouais, je fais YouTube pour de l'argent, rien que pour ça, on s'en fout des autres. Non, au début, j'ai commencé YouTube, j'ai jamais lâché. Si j'aurais lâché, ça aurait été pour l'argent, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Jamais j'aurais fait ça. Franchement, je sais pas si je vais couper les 15 minutes, parce que là, ça me permet de vous parler, en fait. Ça me permet de vous parler. Non, Far Cry 5, il va être cool. Ça va être joué avec un max de personnes. J'espère qu'il fera un bon multi comparé au 4. Sur le 4, comme là, je vous fais voir, le multi, il n'y a que la coop qui est bien. Il n'y a que la coop. La coop, c'est cool, tu peux faire des conneries. Bon, à un moment, c'est chiant. Et justement, parce que le reste, ouais, l'histoire des Rakshasa contre les rebelles, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Non, le Sentier d'Or, excusez-moi. Bah ouais, les rebelles du Sentier d'Or. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Ça faisait longtemps, désolé. J'ai fini le jeu 2 fois, ouais, bah ça fait un petit moment, hein. J'avais même pas 50 abonnés à l'époque. Ouais, donc le multi là, il était pas cool, quoi. Chaque fois, il y a presque personne qui joue d'ailleurs. Juste sur une seule map, ils jouent. Tout le reste, ils sont abandonnés quasiment. Il y a peut-être une personne qui attend sur les autres. Après, si vous avez la chance d'avoir testé, bah bien joué à vous, mais moi j'ai jamais testé. Far Cry 3, le multi, il était trop bien, c'est un peu à la Call of. Mais je me compare pas Far Cry 3, Far Cry 4, c'est juste que le multi de Far Cry 3 il était mieux. Non, Pagan, je t'attends. Hein. Non, franchement, je fais pas des conneries, hein. Si j'attends comme ça, c'est qu'il faut vraiment attendre. Mais je bouge pas du tout parce que j'ai peur que ça rate. Je pense qu'on peut bouger, mais j'ai peur que ça sourit, ça rate. Hein, c'est drôle. C'est en train de se faire torturer de ouf. T'inquiète pas, on est edgé. En fait, je pense que cette fin, cette quatrième fin... Ouais, parce qu'il y a la fin parce qu'on tue Pagan. Désolé pour le spoil, vous êtes là. Hein. On tue Pagan. Le 2, on le laisse partir. Le 3, on laisse partir, mais on le tue. Et là, je vous le dis pas, on verra ensemble. Bon, d'autres peut-être le sachent. Et elle est intéressante, cette fin. Je sais pas c'est qui a réussi à le savoir. Peut-être il est resté comme ça pendant 15 minutes. Il était peut-être parti pisser... boire, enfin pas forcément pisser, mais et là il a entendu du bruit, il est revenu et il a vu ça peut-être. C'est tout le temps le même cri. T'sais. Le fonctionnement des draps, c'est marrant parce que regardez, ils sont tous synchronisés. Regardez, ils vont tous dans le même sens. Regardez, hop, ils se lèvent les 4 en même temps. Oh là là, regardez, hop, les 4 en même temps. Ah, les petits détails, ça m'échappe pas. Hein. Faux raccord, Michel. La fumée qui sort des bougies. C'est marrant parce que je regarde des petits détails et c'est super bien fait. Par contre, la poussière, je pense que c'est de la poussière qui disparaît, ça c'est pas cool.
encore qu'elle tourne à l'infini, d'accord, mais ça disparaît pas de la poussière. Alors, si vous avez des autres jeux à me proposer, n'hésitez pas. Ne me dites pas par contre, fait. Dites-moi des propositions, parce que je suis plus intéressé. Après Far Cry 5, j'ai pas d'autres jeux qui m'intéressent, donc je reviendrai peut-être sur Watch Dogs 2. Watch Dogs 3, je vous en parlerai prochainement. Bon, y a rien de prévu, hein, Watch Dogs 3. Enfin, s'il sort, bien sûr, je vais le prendre. Mais ils ont encore rien annoncé, hein. Mais j'ai un doute s'ils vont sortir ou pas, j'ai un doute. Ce sera pour une prochaine vidéo, ça. J'ai même fait une vidéo, enfin, je sais pas si je l'ai fini, ça dépend si j'ai d'autres idées. Il y a très longtemps que j'ai commencé, c'est ce que je veux dans Watch Dogs 3. Bon, il y a déjà des choses que je pense que vous le voulez aussi, hein. C'est marrant parce que ça fait un mode cinématographique, là, la petite barre en bas. Enfin, je sais pas, moi que c'est ma télé qui est trop grande, un homme cinéma. Tiens, je suis dans un ciné, tu sais. Ça serait stylé de jouer dans un ciné. Putain, mais le son, il doit être à fond. La dernière fois que j'étais voir Star Wars 8, putain, le générique, il m'a niqué les oreilles. Waouh. Enfin, la première fois que j'étais le voir. Plutôt, c'est mieux. Parce que des fois, on fait des fautes, on dit la dernière fois, alors que c'est la première fois. La dernière fois que j'ai eu mon permis de conduire, ben non, t'as ton permis de conduire une seule fois, donc c'est la première fois. Enfin, même pas, non, c'est une connerie. On dit pas la première fois que j'ai eu... Ah si, si on peut dire la première fois que j'ai eu mon permis de conduire, parce que si tu le perds, tu dois le revoir. Voilà. Ça, c'est des petites choses du quotidien, tu vois. Tu vois, on parle de Far Cry 3 à permis de conduire. Je sais pas, après, c'est celle qui rate. Arrête de crier! Celle qui rate, c'est... Non, celle qui rate, putain. C'est l'Himalaya, c'est donc en Inde. C'est les pays pauvres, donc les permis de conduire, c'est rare. Il y en a qui l'ont, mais il y en a qui n'ont pas le permis. C'est pour ça, AJ va les aider. Alors franchement, je vais vous dire un truc. Je sais pas, du coup, si dès qu'on finit cette fin-là, je crois que ça nous ramène au menu. Vous pouvez plus jouer ensuite. Je vous conseille pas du tout, si vous avez le jeu bientôt, là. Enfin, du coup, vous êtes spoil, c'est complètement con de finir comme ça. Parce que vous pouvez pas continuer les autres missions, franchement. Il y a peut-être en tout et pour tout, avec les petits trucs secondaires et tout. T'en as au moins pour, aller. Une journée complète de mission. Voire même deux journées complètes avec les trucs secondaires. Parce que tu vas mourir plein de fois, des trucs comme ça. Enfin, même si on compte pas que tu meurs. Oui, j'ai eu un renvoi qui m'a remonté, je sais. Non, j'ai pas roté. Mieux, je vous conseille pas de faire cette fin parce que vous allez tout louper. Après, si vous voulez, pour vous amuser dès le début, allez hop, vous faites ça comme vous voulez, mais vous avez plus qu'à recommencer le jeu après. Ah, ils sont plus trop synchronisés là, les draps, c'est à dire que Pagan arrive peut-être. Ah, si, ils remontent ensemble, mais leur mouvement c'est pas les mêmes. Putain, l'autre il veut pas avouer, hein. Il veut pas avouer qui il est, hein. Ah, je te jure. La petite bougie. Le petit siège de Pagan avec les têtes de singe en bois. Je peux pas baisser parce que j'ai peur que ça rate. Que ça foire plutôt. Que ça manège, que ça rate. Tout ce que vous voulez, ça rate, c'est drôle. Voilà, j'ai plus trop de choses à vous dire. Donc je vais peut-être vous faire passer à la scène. Ouais, donc si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire. Évitez le Watch Dogs 2 parce que... J'ai quand même pas mal de vidéos tournées, c'est juste que je les sors pas pour le moment. Infamous Second Son, c'est de côté. Far Cry 5, ça arrive. Des idées de vidéos, genre des concepts, pas des idées de dire un exemple, hein, je dis une connerie. Oui, je sais, j'ai parlé que j'ai Ghost Recon, mais c'est pas moi qui joue. Je suis pas fan de ce jeu-là, même s'il est bien. J'aurais peut-être fait des vidéos en multi, mais je suis pas trop fan, tu vois. Vous voyez plutôt, parce que je dis tu, mais on se vous voit, on se connaît pas. Peut-être qu'on se connaît pas, je sais pas. N'hésite pas aussi à me poser des questions pour les FAQ que j'ai mis la vidéo hier. Ah! Putain, ça m'a fait peur. Oh! C'est fabuleux. Toi, tu es un gentleman. Désolé d'avoir été si long. On a repéré des terroristes dans le secteur. Tout ça, tout ça. Les raviolis au crabe, hein? Sont super. Mmh. Oh, très bien, allons-y. Putain, ça m'a fait peur. Il y a eu un écran noir, j'ai cru qu'elle allait avoir un monstre, tu sais, j'ai l'habitude. Non, mais vraiment, c'est... Regardez, je vous ai pas menti. Ça fait déjà 15 minutes, ça a été vite.
Non, c'est pas possible. 15 minutes? Non, 15 minutes depuis le début en fait. Ouais, je pense 15 minutes depuis le début avec la première cinématique. Peut-être attendu 5 minutes, un truc comme ça. Bon, je sais pas. Ouais, parce que 15 minutes pour ceux qui veulent aller chier aux toilettes, c'est un peu long. Hein. Et là, il est constipé. Là. Tu sais, je suis tout de même un peu surpris il m'a que ta mère t'ait non, demandé de la ramener jusqu'ici. Merci, camarade. On n'était pas à côté. Ah, Cameron, d'accord, je croyais Mais camarade. Enfin, bien sûr, les cendres ne vont pas se disperser toutes seules. Et ton père, est-ce que ta mère t'a jamais parlé de lui? Non, jamais. Mohan, le grand protecteur du Sentier d'Or. Un vrai connard. Oh, le bâtard. Il l'a prostituée en l'envoyant m'espionner. Mais on s'est aimé, on a eu un enfant. Et c'est là que Mohan a montré son vrai visage. Il vous a poussé à fuir, ta mère et toi. Il a même tué ta sœur, Lakshmana. Ce qui nous amène ici. Lakshmana ne devrait plus être toute seule. Je suis heureux de nous voir enfin réunis. J'ai jamais compris, Pagan, c'est quoi notre père quand même? Non, je pense pas. Ah oui, il nous rentre là-dedans pour pas qu'on joue dehors, d'accord. Voilà, donc là c'est à nous de jouer. Wow, la sensibilité pour récupérer. Regardez la carte, où est-ce qu'on est. On est bien ici. Regardez tous les avant-postes. Eh ben c'est... Bah non. Oh, attendez. Village de Banapur et tout, alors qu'on n'a pas visité. Compétences. J'ai aucune compétence, j'ai rien du tout. Progression, je vais être à 100%. Mission de campagne, 1. Mais progression, du coup, on est à combien aussi Bientôt 100% du coup, hein. 0,08%. Bah, bien sûr. Comment ça, 8 lieux entrée du quart du roi mine. 13 rangs dans l'arène. Ah oui, mais ça, c'est d'accord, ouais. Bon, bah voilà, on va jouer. Hop, j'ai récupéré le journal. Faire le journal. Journal de moine Gael. Jay, sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Je n'ai toujours voulu qu'une chose, que tu grandisses dans un pays sûr et prospère. Et ce choix demande des sacrifices. Je regrette de n'avoir pas été là pour voir tes premiers pas ou entendre tes premiers mots. Ma charge de commandant laisse peu de place aux sentiments ou aux distractions. Ta mère s'énervait toujours quand je parlais de te former plus tard, mais si je ne survis pas à cette guerre, de te préparer à prendre ma place. L'avenir du karaté est entre tes mains, moine Gael. Bush 1990. Des fois, je bégaye, mais je vais vous dire pourquoi. What? Ah oui, donc on est d'accord. Je bégaye parce qu'en fait, le texte est un peu loin, il est tout en blanc. Il est mal placé, donc c'est un peu compliqué. Bon bah voilà, c'est la fin. Regardez. In loving memory of Lakshmana Amin, 1988. Ah, j'en ai le mot à Gael, 1 sur 20. Prochaine récompense plus 1. 1988 à 1989. What? Un an? Ah, c'était la fille, mais non! What? Mais je crois que c'était sa mère. Bon, tant pis, voilà, c'est fini. Oh, la musique. Je t'aime et je serai toujours à tes côtés, maman. Cette musique, on avait fini le jeu. Qui s'en rappelle? Vas-y, je te doc, pardon. Et voilà, donc ça va être fini. On sort et ça va être fini. Enfin, pas tout ah, à fait, bien. Bon, ça va mieux. Tu t'es soulagé d'un poids. Bien. On va peut-être enfin pouvoir vider quelques flingues maintenant. What? Par contre, la fin que ça se finit. Voilà, on va vider quelques flingues, voilà. Oh, ça bug un peu. Bon, allez. Passe parce que je me suis déjà pris un droit d'auteur dessus pour Shulase Sholago de The Clash hein, et voilà c'est bon donc voilà c'est fini donc si vous voulez finir le jeu vite fait bah, c'est comme ça donc si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas le petit like à vous abonner si c'est pas fait puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde moi je déconne donc Far Cry 5 arrive très bientôt je sais pas pourquoi j'ai fait ça hein. Attends par contre éditeur de cartes. Est-ce qu'il y a encore... Ah, ils sont encore là! Iceland Time et tout! Ils sont encore là!
Bon, ça a rien à voir, hein, je vous montre vite fait. J'essaie de faire un truc à la Ganguinou, là, le au revoir. Oh putain, ça me rappelle des souvenirs. Excusez-moi pour les gros mots, mais ça me rappelle des souvenirs, là. J'avais pris du temps pour cette carte, même si ça, c'est pas de la merde, mais... Wouah! Il y a des messieurs tout nus. Ouais, je m'en rappelle, j'avais fait une sorte d'avant-poste, mais stylé. Putain, ça me rappelle des mémoires, quoi. J'espère qu'il y aura encore un truc de carte pour Far Cry 5 et beaucoup plus simple. Putain, j'avais fait des tentes et tout avec des soldats placés. Oh là là, regardez une tour de sniper avec des ours. Oh là là. Bon bref, donc si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas fait et à partager cette vidéo si vous le souhaitez avec vos potes, vos amis. Bref, c'est la même chose. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis ciao tout le monde. Ah mais comme ça c'est mieux en fait. On va le plus haut possible. Voilà la map de Far Cry 4. Eh mais attends, ça fait l'Afrique comme ça? J'ai fait l'Afrique frère, attends. C'est moitié Afrique, moitié la France. On monte très haut dans le ciel. Quand on monte, c'est-à-dire que c'est la fin d'une vidéo. Ciao tout le monde.